Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire la découverte de. Oui, je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas mis la page. Ok, d'accord, bon, bah voilà. C'est pas grave. Donc, bah, je sais plus ce que je disais, ça y est. Oui, on va faire la découverte donc de Zoro The Chronicle. J'ai mis la boîte. Ah oui, elle est là. Oui, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Bon, à la base, je vous présente la boîte. Hein, oui, je sais pas ce que j'ai bricolé là, je me rappelle plus de ce que je fais. En ce moment, je fais beaucoup de jeux numériques, donc là, je me rappelle plus. Voilà, là, ça fait le truc. Bon, voilà. Donc, Zoro The Chronicle, je vais y arriver. Hein, voilà, recto, verso. Voilà, hop, je pense que là, la mise au point, c'est faite. Ah oui, mince. Ah bah oui, mais le jeu, il est dedans. Bon, bah tant pis, vous aurez pas la cartouche, parce que j'ai clos. Oui, bah dedans, il n'y a rien. Bon, bah, c'est pas la peine. Oui, bah oui, tant pis. Oh, bah là, je m'en mêle le... Oh bah tant pis, je refais pas la vidéo, hein. Ça sera comme ça. Bref, bon, c'est pas grave. je sais plus, là. Ça fait un moment que je fais des jeux numériques. Alors, de vous représenter la boîte et tout, je sais plus. En fait, je suis complètement pourri. Enfin bref. Donc, hop. Je vais passer en petit écran. Donc, voilà. Donc là, dès que vous lancez le jeu, vous choisissez entre... Donc la difficulté normale, difficile. Là, je suis en normal. Et vous choisissez entre donc Diego ou Inès. Alors, c'est un jeu qui est tiré d'une série animée donc, de Zoro. Hein, alors, je ne sais pas si c'est sorti sur France Télévisions ou si c'était sorti sur TF1 ou un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, c'est tiré d'un dessin animé. Et donc, vous pouvez faire. Donc, vous pouvez choisir donc, soit Diego, soit sœur, Inès. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, bon, bref. Entre lui et sa sœur, pour incarner donc Zoro. Parce que même elle, elle revêt le déguisement dans le dessin animé, c'est pour ça. Voilà, donc là, dès qu'on lance la première mission, on en est là. On est donc Monasterio garde l'argent des impôts de Los Angeles. Bon, c'est lui le méchant, forcément. Donc, pour lui-même, faufile-toi dans son hacienda et vole-le. Donc, d'ailleurs, dans la série... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait... vous savez, la série Disney... Je crois que c'était Disney, ouais, c'est Disney... Mais vraiment d'avant, hein, vraiment la... Peut-être pas la première, enfin j'en sais rien. J'arrive pas à me rappeler comment il s'appelle. Ah, je sais plus. Bon, bon à l'époque, c'était en noir et blanc, et puis vous avez la version remasterisée couleur hein, pour la série. Mais je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. J'ai zappé le truc. Je sais pas pourquoi je parlais de cette série, je sais plus. Bon, tant pis, on s'en fout. C'est pas grave. Je sais même plus où j'en suis, c'est pas grave. Alors... Oh bah dis donc, il est un peu mou. Ah, d'accord. Alors tu cours avec B. Oh, c'est vachement pratique, dis donc. Pourquoi t'appuies sur B pour courir? Bon. Oh, attends. On peut attaquer ça? Ouais. Bon, bah, de toute façon, les attaques, c'est Y, comme d'habitude. Alors, je suis là. S'échauffer avec les gardes. Allez, on y va. Bon, déjà, ils ne voient pas. Ah, une clé. Ah non, faut s'appuyer, ok. Ouais, on les tue pas en fait, hein, c'est. Par contre, on récupère des pièces, ou je sais pas quoi. Non, pas partout. Ok. Les poules, on peut les attaquer. Non, c'est pas fait pour. Bon. Bon là c'est le tuto, c'est normal. Ouais, je regarde, j'appuie sur ZR. Ah ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Hein, pourquoi il était tout droit ce con? Ah oui, il y a un A sur leur tête. J'avais pas vu. Oh, je vais pas vous mentir que le gameplay est un peu mou quand même, hein. Bon, après, je suis conscient, c'est destiné pour les enfants, mais... Ouais. Poser une affiche.
Putain, il peut pas juste appuyer sur A, puis hop. D'accord. Bon, ça, c'est Monasterio. Crac. Allez, tu dors. Ah non, je regardais si on pouvait pas. Ah, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Il faut que j'aille par là. Ah, la caméra, elle est un peu... Appuyez sur A pour contrer. Ah, bah c'est ça, le A, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, une fois que t'as contré, tu fais plus rien, ok. Attends, rien, il faut viser. Alors, je peux m'accroupir. Bah, ça sert pas à grand-chose, en fait, hein, de s'accroupir. Non, on fonce dans le tas, allez hop. Allez, je suis là. Ah oui, il faut aller détruire la... Ok. Voilà. Ah, en fait, quand vous appuyez sur A, ZL pour un super chaos. Oui. Attends deux secondes, je suis en train de regarder un truc là. Attends. Le cheval il était là, il est parti là-bas. Il a sauté par-dessus le mur ou quoi? Oh, il y a un truc là-bas, c'est cool. Hein? Ah non, attends. Ah oui, d'accord. Vous avez le maître qui est sonné et les étoiles ils sont derrière lui. D'accord, ok. Ok, bon. Ok. Oh bah c'est juste pour le délire, hein. Voilà, je vais juste aller détruire les deux petits tonneaux qui sont là. Ah bah si, il y avait. Je sais pas à quoi ça sert, ça va être la monnaie du jour. On peut détruire les statues, non? Non, que dalle. Alors, où est-ce que je dois aller? Ah bah attends, il y a encore un qui m'a pas vu. D'accord. Bon bah ok. Maintenant, alors comment je fais? Non, faut que j'aille derrière, ok, d'accord. C'est un mélange d'Assassin's Creed, mais pour enfants. D'accord. Ah c'est sûr, les enfants ils vont voir ça, ils vont rigoler, ils vont s'amuser. Là moi je m'amuse pas du tout. Hein. C'est un peu mou en fait, c'est ça qui est dommage. Le jeu pourrait être bien, hein, mais les combats ils sont mous. Hein. Là par exemple vous voyez c'est complètement bête. On a un personnage qui peut donc grimper partout. Bon là non, en fait non, là on peut pas, attends tu vois. Si là on peut, d'accord, mais là on peut pas parce qu'il faut ouvrir la porte. Ah bah on va ouvrir la porte. Allez, c'est reparti, allez, je vais leur défoncer la tête. Ah oui, c'est vrai, il faut sauter par-dessus derrière. Hop, crac. Ah, il m'a eu. Ah bah encore. Ah, ça y est, c'est bon. Ah oui, parce que... Ah mais c'est ça, ça sert à ça peut-être les aides là. Ouais, bon, les animations, les tags et tout ça, c'est... Ah bah ah oui, ça fait... C'est le troisième qui est parti au jus. Ramasser l'argent. Ah oui, le coffre il est dehors, c'est normal. Dommage, j'aurais pu faire en sorte qu'on rentre à l'intérieur. Bon voilà, la première, le tuto est fait. On va en faire un autre pour voir.
Bah déjà, tu laisses pas ton club dehors. Hein. Ah mince, il y avait trois affiches. Bon. Bonus, récupérer l'argent. Ok, ok. Alors, vas-y, mission suivante. Mais bon, là, je vais pas vous mentir. Ouais, je suis pas vraiment emballé par le machin. Ah voilà, bon bah tiens, j'ai fait Diego, bah, on va faire Inès. Ouais c'est ça Inès, je me suis pas trompé. D'accord, donc on a tout ça à faire. Donc là évidemment je suis obligé de faire le deuxième, mais on a quand même tout ça à faire. On a 18 missions. Université. Le chef d'œuvre de Zoro, tu vois, 18 c'est quoi? Épreuve de force, ok. Bon ok, d'accord. Et là c'est quoi? L'épée volée. D'accord. Bon, alors on va faire le deuxième en étant donc la fille. Comme ça on va voir la différence. Donc on a vu. Ah oui, mais dedans il y a plusieurs missions. Je pense que ça va être ça. Donc avec elle on a un cœur de plus. Et avec Diego on a alors c'est des éclairs, c'est pour faire les attaques super, là je sais pas quoi, la super attaque ou je sais plus quoi. Ça vous en fait plus un. Donc plus une énergie quoi on va dire, voilà. Après il faut vraiment. Oh non, moi qui aime bien Zoro, mais là ça c'est. Ouais bon. Ça, ils avaient déjà des lasers à leur fusil. Donc là, je suis la fille. Attends. Hein? Plus. Ouais. Ah, d'accord, on a des compétences. Ah, bah, c'est toujours ça. Hein. 500. Ah, bah, ça sert à ça. D'accord. Voilà, alors, donc, oui, je choisis. Rester caché, puis appuyer sur les toilettes quand Zoro est derrière un ennemi. Ok. Et. Attends. 1000. Ah, bah, non, je sais plus. Ah, attends, j'ai 500 pour une plus. Ouais. Non, on va attendre pour avoir d'autres. Vas-y. Attends, c'était quoi les autres trucs? Mission. Oh là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 affiches. Bonus 5, trouver Tantena qui est empoisonné, ouais, ok. Si, vous avez. Oui, oui, d'accord, ok. Il y a quand même plein de trucs à faire. Bon, et ça, le son à visite, ok. Puis les contrôles, ok. Bon, alors, fais voir la fille. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe avec le mec. Ok. Bon, alors, donc. Ah non, d'accord, non, c'est pas un laser, c'est juste pour te montrer où il vise en fait. Ah non, je peux pas pour tourner. Appuie sur R pour prendre un caillou. D'accord. Appuie sur R pour distraire le garde avec le caillou. Ah, j'ai pas pu choisir, il me demande de. Hop. D'accord. Ça sera peut-être un peu plus amusant. Ouais, c'est si vous voulez le faire sans vous faire voir, mais bon, ça m'étonne. Est-ce qu'on peut se cacher là-dedans? Non. Alors là-bas, il y a. Attends, fais voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rigolos. Attends, on va aller là-bas. Par contre, c'est dommage que. La touche. C'est la touche B pour courir. C'est pas pratique. Donc ça, faut prendre si on veut s'améliorer. Voilà, bon, je pouvais être un peu négatif au départ. Là, il y a quand même un paquet de trucs qui sont intéressants. Hein, comme les compétences. Attends. Hop. Les compétences, les petits trucs à trouver un peu à droite et à gauche. Hein, comme les affiches, les bonus, objet principal, tout ça. Là, vous pouvez trouver toutes les affiches. Enfin, c'est pas les trouver, c'est vous qui les mettez. Donc, ouais. Si, quand même. Voilà, si vous êtes vraiment qui aime la série. Et Zoro, si, il peut. Attendez, je cherche le mot, en fait, il peut. Il va aimer, quoi, voilà. Alors. Ouais, bon, allez, c'est bien. Hein, je veux juste arriver à 1000 pour en débloquer une autre, en fait. Ouais, bon, bah. Donc là. Hein, ah oui, d'accord, je peux. On y va. Donc là. Non, j'ai sorti un caillou. Hop.
Ouais, ça c'est pratique. Voilà, donc là, comme dans Assassin's Creed, on va faire le saut de la foi. Ah, d'accord, non, alors la touche qui vous indique, hein, d'accord, c'est la croix directionnelle haut. C'est pas le. Ok, je cherchais ce que c'était. Alors, marquer des ennemis. Comment je les marque? Ah, ok, d'accord. Et là, je marque les ennemis à la manière de Far Cry. C'est Ubisoft qui a fait le jeu ou quoi? Non, c'est Nikon. Ça serait marrant qu'ils fassent un Assassin's Creed pour les enfants. J'aimerais bien voir la gueule que ça pourrait avoir. Bon, évidemment, là, on tuerait pas, puisque c'est pour les enfants, mais ça serait marrant. Hein. Mais un peu comme là, quoi. Les ennemis, on les tue pas, en fait. Attends. J'ai vu tout. Ah, non, non, non. Ah, mais je peux marquer tout le monde, en fait. Attends, il y en avait d'autres avant. Ils sont là. Ah, mince, il y en a un que je verrai pas. Ah, si, on peut pas le voir. Ok. On peut pas zoomer. On peut pas zoomer. Hein. Personne là-haut. Donc là, je peux y aller normalement. Je regarde s'il n'y a personne d'autre. Hein, parce que. Bon, même si c'est pas très grave. Mais. Ah, si. Impeccable. Hop. Là, on voit qu'il y a un autre mec là dans le coin, puisqu'on a vu le truc. Ah, si, encore un. Oh, je vais en avoir oublié, hein, c'est obligé. Ah, j'ai trouvé où c'en était, là, non. Attends, et par là, il n'y a personne d'autre. Ah, la poule, on peut la marquer. Tiens, derrière ça, non. Là, il n'y a personne. Personne sur le toit. Bon, bah, je crois que ça va être bon. Je regarde un peu. Ah si, ah bah si, là, oui, là il est bon. Hop. Ah ouais, mais on peut vraiment marquer tout le monde, hein. Il n'y a pas de limite. Bon, comment je fais? Sortir. Ah non, c'est la même touche. Attends, on va regarder. Attends, là-bas. Attends, c'est où? Ah non, c'est la charrette. Ah ouais, je croyais. Tu crois que c'est une personne? Bon, c'est bon. Alors, prendre le morceau de papier qui est là-bas. Ok, bon, donc. Quoi, je saute. Ouais. Non, tu perds pas de vie. Attends, on va faire le petit tour. On va foncer dans le tas. Non, en fait, je fonce pas dans le tas, je fais juste ça vite fait. Voilà. Attends, je vais me les faire. Au pire, faudrait les laisser faire pour voir. Ah, j'ai touché ce point-là. Ah, faut appuyer au bon moment, en fait, quand t'as deux. Hein. Ok. Ça, c'est fait. C'est pour les enfants, c'est sûr. Hein? Je me suis battu avec... attends, 1, 2, 3, 4... 4 rigolos. Et t'as 3 rigolos qui sont là-bas, en train de se dire... ouais, pff, on n'y va pas. Hein. Non, il nous a pas vus. Regarde, regarde, je suis là devant eux. Hein, regarde, je vais attendre. Il va me voir lui ou pas? Ah ouais, non. Non, j'existe pas, j'existe pas. Je suis pas assez recherché pour qui me cherche. Oh, d'accord, bon bah. Vas-y, attends, je teste un truc. Vas-y, je passe juste derrière eux là. Ah, si. Si, ça y est. Ah. Ah, bah, ceux-là, je les avais pas vus. D'accord. Ok. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en mode normal, peut-être?
Hein, c'est peut-être pour ça qu'ils réagissent pas trop. Ah, quand même, normal. Bon, mon truc, il est là-bas, j'y vais. Ah, t'as tiens, garde d'en haut. Attends. Je vais me mettre là. Ah bah tiens, il y en avait d'autres là que j'avais pas vu. Tiens, on va les marquer. Bon, ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors, on va lancer un petit caillou. Tiens. Tiens, un caillou. Et hop, voilà, d'en haut, c'est fait. Ah, la carte, c'est lui qui l'avait. Bon, plus de 3. Ah oui, il m'a vu, lui. Bon, je vais m'en occuper. Ok. Bon, les deux de là-bas, ils sont... Lui, il dort. D'accord. Bon, bah, lui, il dort. Ok, ça marche. Oh! Attends, j'arrive. Attends. Hop. Bon, voilà. Donc, attends. Trouver les autres morceaux. Alors, là, là-bas, il y a une carte. Là-bas et là-bas. Ah, bah, on va aller là-bas. D'abord, aller là-bas. Alors, attends. Non, ça... Non, il n'y a pas de bouton de saut. C'est... Bon, alors, c'est ici. Ah, bah, tiens, il est tout seul, lui. On va s'en occuper. Ok, bon, ça, c'est fait. Donc, là, on a plusieurs morceaux. On va... Bah en fait, ouais, dès que vous êtes proche d'un décor, ah bah tiens, lui, c'est lui qui l'a. Hop, il y a automatiquement une animation. Alors. Encore un. Au fait, j'en suis à combien, moi? Ah bah attends. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Alors, ça, c'est quoi? Appuyez deux fois sur X. Ok, ça c'est quoi? Maintenir la tête bélier, ok. Gagne un réceptacle, appuie sur elle pour se débarrasser immédiatement de deux ennemis. D'accord. Ou plus de vie, non. Bon, on va faire ça pour voir. Hop, voilà. Donc en gros, c'est... D'accord, bon, attends, il me faut des ennemis, là. Ah bah attends, il y a la cloche, je vais d'abord la virer. Oh bah non, attends, je vais pas la virer. Tiens, fais sonner la cloche, là. Voilà. Voilà, il est parti sonner la cloche. Oh putain. Ah ça, attends, c'est pas ça. Il faut que je tue les mecs avant. Ah non, il l'a réveillé. Oula, je crois que tu t'es passé. Oula, ça est un peu plus dur là. Ah, je vais mourir. Bon, il faut pas qu'il sonne la cloche. Attends, faut que je m'éloigne de... Voilà. Allez-y, venez. Maintenant qu'il n'y a plus les tireurs, ça devrait être plus facile. Ah, bah ben... Il est où le tireur? Ah non, d'accord, je suis mort. Ok. Bon, bah comme ça, on a vu. Il faut pas qu'il sonne des cloches. On est bien d'accord, ça devient beaucoup plus compliqué quand il sonne les cloches. Tous les ennemis arrivent. Ok. Par contre, en fait, ouais, il faudrait quand même que je m'occupe des tireurs en premier. Et vu qu'on peut monter sur les toits, c'est quand même plus pratique. Par contre, c'est bizarre quand même qu'ils n'ont pas fait le moyen que le personnage puisse sauter, en fait. Parce que là, on pourrait monter sur les toits, puis sauter de toit en toit, ce serait logique. Ouais. Bon, j'ai... Faire ruer un cheval sur deux gardes. Ouais. Donc, là, je vais m'occuper tout de suite de la cloche. Hop, alors, il m'a pas vu. Voilà, bon, ça, la cloche, c'est fait. Alors, maintenant, on est tranquille.
C'est presque des combats de QTE, hein, en fait. Ok, bon bah ça c'est fait. Donc, là-bas. Morceau 4, 1 sur 3. Ah oui, faut que je recommence. Vague 1. Hop. Ça va aller vite. Ah merde, j'avais pas vu. Attends, faut que je m'occupe de lui. Voilà. Terminé. Waouh, on voit plus rien du tout. Oh là là là, c'est le bazar. Là franchement ouais là, ah bah tiens c'était ah bah oui c'était la carte que j'ai ramassée tout à l'heure. Ok bon alors bon la dernière 2 sur 3 bon, salut. Je m'en occupe pas. Attends faut que je monte là-haut. Hop là. Ok, bon voilà, c'est bon. Il n'y a pas de cloche hein, dans le coin. J'ai pas vu. Hein? Non, il n'y a pas de cloche. Ah, c'est la tasse spéciale. Hein. Pas bon je sais plus où c'était. Elle est où la carte? Ah bah là bas bon alors je peux passer là non? Ouais un garde là-bas qui se balade tout seul. Ok. C'est où? Attends, y a un mec là-bas, non? Ah oui, il dort. Ah, je l'ai pas réveillé. Bon, allez. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me joue le bouton, d'accord, ok. D'accord, c'était lui qui avait la carte. Voilà, ça fait 4. Ça fait 3, je veux dire. C'est dommage, on n'a pas vu le sergent Garcia. Oui. Bon attends, je vais m'en occuper de lui. Voilà, ça c'est fait. Hop, terminé. Ouais, je suis désolé, on voit rien. Il y a un mec qui court, il est où? Oh, la caméra, elle est... Bon, maintenant... Bon, au moins, elles sont longues, hein. Ça va. Bon, là, il y a deux mecs, on s'en fout. Là, il y a plein de mecs, on s'en fout. Allez, je fais que de passer. Hein. Alors, vous occupez pas de moi. Je prends le cheval. Vite, vas-y, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Yes.
Bon, si, allez, on peut quand même s'amuser dessus. On peut quand même s'amuser dessus. Mais, ouais, les combats sont un peu mous quand même. Bon, zut, je veux pas tenir. Ah, ah oui, c'est vrai, les affiches. Oh, j'ai pas cherché en fait. J'ai pas cherché du tout. Bon, au moins, l'avantage, c'est que le. C'est que les chargements sont courts. Bon, par exemple, on revient sur Kibo. Donc là, ça sera donc la troisième. Ouais, c'est-à-dire que même si tu reviens sur la première, comme ça pour voir. Non, voilà, non, non, non. En fait, je pensais qu'il y aurait d'autres missions qui vont. Mais non, en fait, non. Donc je vois pas à quoi ça sert. Tu tailles dessus pour te dire c'est là, quoi. Ah, d'accord, tu débloques 4, 5, 3, 4, 5. Alors juste comme ça, je lance pas, hein, c'est juste pour voir. Ah si! Si, d'accord. D'accord. Entrée forcée, puis donc là, entrée rusée. Ah oui, vous pouvez choisir comment vous voulez entrer. Je pense, ou alors c'est deux missions différentes. Attends, je peux regarder avec les autres pour voir. Au pire, on va juste essayer pour voir si c'est deux missions différentes. Voilà, c'est pareil. D'accord, et puis là c'est pareil aussi, je pense. Ouais, c'est pareil aussi. Ok, et puis donc là. Bon, on va essayer avec la cinquième comme ça. Donc, l'entrée rusée, on a vu ce que ça fait. Alors, je vais lancer celle-là, on va juste regarder. Là, c'est l'entrée forcée. Alors. Alors, est-ce qu'après, il y aura d'autres entrées différentes? Je sais pas. Donc, alors. Alors, comment ça se passe différemment? Ouais, c'est pas grave, je vais pas le dire, c'est pas grave. Donc là t'arrives par ici, ok. On va juste regarder la mission, qu'est-ce que c'est. Alors là, donc la première mission c'est trouver la clé de la galerie. Tu as assez de points Z pour acheter une. Oui, bonjour. Tiens, bah lui c'est les mêmes. Ah oui, c'est la même chose en fin de compte. Ouais. Ah t'es. Bon bah tiens, on va prendre ça. Bon, bref, donc là, on est d'accord. On trouve la clé et on est sur. Donc, on n'a pas de carte, hein, d'ailleurs. Non, il n'y a pas de carte. Tu peux pas avoir de carte. Attends, je vais toutes les touches. Non, ça, c'est le truc pour regarder. Ok, d'accord. Donc là, on est d'accord. Donc, trouver la clé de la galerie. Je me tire. Alors, abandonner la mission. Oui. Donc, alors, j'ai zappé tout le reste, hein, parce que sinon, ça aurait été trop long. Donc là, j'ai pris l'entrée rusée. On va voir. Donc on voit la même chose de départ, ok. Est-ce que c'est la même mission? Ah oui, d'accord, ok. Donc là, on n'est pas au même lieu. Hein, parce que là, on n'avait pas ça. En fait, là, ça vous permet directement de vous mettre tout en haut pour pouvoir avoir une vue. Tiens, d'ailleurs, on va le faire. Voilà. Voilà, vous pouvez choisir comment vous voulez commencer. Voilà. Donc là, on a l'entrée rusée qui vous permet donc de tout voir avec votre petite loupe là. Non, pas loupe. Ah mince. Bon, avec votre machin, parce que je me rappelle plus comment ça s'appelle. Une longue vue, voilà. Avec votre longue vue. Ou alors, je ne sais pas où on commençait exactement dans le jeu. Ou évidemment, bah, vous entrez bah, par la force, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous les gardes, vous foncez dans le tas, quoi. Donc là, c'est toujours pareil, trouver la clé de la galerie. Donc en fin de compte, c'est exactement la même mission, le même lieu, mais vous choisissez comment vous voulez commencer le jeu. Voilà, soit vous voulez foncer dans le tas et vous battre tout de suite, ou alors de marquer tous les ennemis, d'y aller. D'ailleurs, j'en suis sûr que vu comment l'IA est, on va dire, vachement doué avec vous, on va dire ça comme ça, hein, réactif, voilà. Vous pouvez, j'en suis sûr, faire tout le jeu sans qu'il y ait un ennemi qui vous voit, quoi. Parce qu'en plus, il a une jauge. Alors, tant qu'elle se remplit, vous avez le temps de vous planquer. Là, on voit qu'il y a une cloche et tout ça. Okay. Bon, ok, c'est un. Oui, on va dire c'est un bon petit jeu. Allez, c'est un bon jeu pour les enfants ou pour ceux qui aiment donc la série Zoro. Mais sinon. Bon, là, moi, perso, ouais, non. Les combats sont un peu mous, je trouve. C'est un peu mou. Bon, sinon, il n'y a pas de. La caméra. La caméra, elle est horrible.
Ça, c'est le problème. Bon, après, c'est à vous de la replacer, on va dire. Mais bon, elle est horrible quand même, la caméra. Sinon, après, en termes de gameplay, bah, c'est fluide. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Alors là, ça peut pas être plus fluide, hein. On n'a pas vu, j'ai pas vu de ralentissement. Il n'y a pas eu de bug, que ce soit de collision ou quoi que ce soit, j'ai pas eu ça. Bon, après, bon, la lésine, j'en parle pas, parce que de toute façon... Oh, ouais, si, oui, si, il y a de la lésine, mais de toute façon, dans tous les jeux, il y a de la lésine. Donc, tout ça, on s'en fout. Après, ouais, bon, enfin bref. Voilà, destiné à un jeune public ou à ceux qui aiment Zoro. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, un bon jeu et à la prochaine fois. Salut!